Ce samedi 6 mai 2023, le roi Charles III sera couronné dans l'abbaye de Westminster pour la modique somme de 170 millions d'euros. Mais à l'approche de ce jour qui sera bientôt historique, les derniers détails sont en train de se mettre en place. Les Britanniques se sont longtemps questionnés sur la présence ou non du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, désormais c'est la tenue des membres de la famille royale qui semble intéresser les curieux. D'après le Times, la princesse de Galles pourrait bousculer les traditions mises en place. En effet, en tant que belle-fille du roi et princesse, Kate Middleton devrait porter une tiare mais il semblerait que ce ne soit pas dans ses projets. La princesse de Galles aurait l'intention d'ignorer la tradition de porter son diadème le plus spectaculaire pour le couronnement du roi Charles III. Une décision qui pourrait grandement décevoir les Britanniques traditionalistes. Le Times affirme que ce n'est pas la seule femme de la famille royale qui pourrait ne pas porter de tiare, même s'il affirme que pour le moment il ne s'agit que de rumeurs. Supérieure à Kate Middleton et William en pleine escalade lors d'une journée sportive avant le couronnement de Charles III. Mettre en avant l'un des principes du roi Charles III, l'environnement à la place, Kate Middleton pourrait porter une couronne de fleurs. Une envie qui remonte au jour de son mariage, il y a 12 ans. La princesse avait avoué vouloir se parer d'une coiffe florale mais s'était dirigée vers le diadème traditionnel. Ainsi, elle serait en mesure de rompre la tradition ce samedi 6 mai et mettre en avant les principes du roi Charles III concernant la nature et l'environnement, les piliers de son règne. De plus, il semblerait qu'en faisant cela Kate Middleton s'inscrirait parfaitement dans le thème du couronnement. En effet, les invitations à la cérémonie étaient ornées d'images de fleurs, d'oiseaux et d'insectes. Il ne reste plus qu'à attendre le 6 mai pour savoir si la princesse portera un diadème ou une couronne de fleurs. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit Photo, Agence.